Ali Bongo, ces gens-là, les gens de Franceville, hein, les gens de Moroville disent qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent même pas quand tu es né. Les Gabonais sont fatigués. Les femmes sont fatiguées. C'est tous les jours qu'on tue nos enfants. C'est tous les gens qu'on coupe. Enfin, qu'on coupe les gens. Le Gabon est devenu un pays insécure. Insécure. Maintenant, il faudrait que tu comprennes que le temps de 50 ans de tes parents, hein, sont terminés. Et toi, en 5 ans, zéro au quotient. Zéro au quotient. On ne veut plus de toi. C'est fini. C'est, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. J'ai honte. J'ai honte de mon pays. Regarde les ponts. Ça sont les ponts que tu es en train de faire. Ou bien on appelle ça enfant Libikassé. Ça sont Libikassé. Tu te moques des gens. Tu te moques des gens. Tu prends la combi ici, tu mets la directeur de cabinet, un faux monsieur Popo qu'on ne connaît même pas. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va fermer la bouche? On va continuer toujours à parler. Hein? On va continuer à parler. Regarde, Blaise Compaoré vient de partir sans caleçon. Je pense que c'est comme ça que tu veux partir avec la combi ici. Il faut partir, il faut dégager. Ça suffit comme ça.